Hello, on va essayer de faire une session sur le Splatfest pour faire un match en tricolore. C'est-à-dire qu'on va affronter deux équipes avec mon ami Gosuto. Je ne sais pas du tout si vous m'entendez puisque visiblement j'ai des gros soucis de micro. Mais bon, on va bien voir, hein. Donc soit vous m'entendrez, ce sera parfait, soit vous m'entendrez pas et bon, je ferai un petit commentaire sur une piste audio que j'ajouterai à la vidéo, on verra bien. On verra bien en attendant. C'est parti! Non, ça va se mettre directement. Alors, ça va pas la faire directement. Hein. Je vois pas. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Ah oui, d'accord, ok. Déjà, on va voir si on adversaire de l'équipe qui est de l'avance. C'est-à-dire. C'est-à-dire J'ai pas tout capté là, le fonctionnement du truc, mais bon, on verra bien. Alors, allez, du coup. Il va falloir que je refasse une partie pour comprendre ce qui se passe. Mais bon, bref. Ok, je vais changer d'arme, je vais vous. Bon, on continue ensemble, hein, sinon. Encore une partie, et puis après j'arrêterai cette vidéo. On prend ça.
Merci à mon grand désarroi. Ce n'est ni l'arme que je préfère, ni le spécial que je préfère, qui a disparu tout bonnement, en fait, on 3. On n'a aucun bonus, donc faut vraiment s'adapter là, pour le coup. Mais au moins tout le monde est sur un pied d'égalité. En tricolore du coup. Tu vois, t'as pas. Oui, t'as pas tout à déconstruire en fait. Je suis bien là, donc c'est pas possible de faire table rase de ce que tu as fait pendant des milliers d'heures. Je suis moins adaptable que quand j'avais 20 ans, on va dire.
Oh, vivement le 9 quand même. Vraiment avoir accès à tout le jeu, le nouveau Salmon Run et trop, ouais, trop, trop, trop. Ouais. Allez, en tout cas, moi je continue. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et puis bah, j'espère que vous allez m'entendre. Ciao!